Welcome to this new session of ESSEC Community Live. 30 minutes to discuss ESSEC's current issues, during which you will also have the opportunity to ask your questions in the chat room. This discussion will be sometimes in English and sometimes in French, but always live here in the K-Lab, and today, exceptionally, also live from Singapore. Alors, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission d'ESSEC Community Live. Pendant 30 minutes, nous allons discuter de l'ESSEC et de son actualité. Vous aurez l'opportunité de poser vos questions dans le chat YouTube. Cette émission se tiendra parfois en anglais, parfois en français, mais toujours enregistrée en direct ici, dans notre K-Lab, et en direct de Singapour. Today, we have the pleasure to interview Professor Xavier Pavie by video conference from Singapore. Professor Pavie is the director of the Imagination Center and in charge of the Imagination Week. It's an opportunity for us to know better the Imagination Week and to discuss certain issues that have been raised on the internet recently. Bonjour, Professor Xavier Pavie. Pouvez-vous nous présenter l'Imagination Week en quelques mots? Hi everyone, and thank you very much for this invitation. That's a great pleasure to discuss Imagination Week. Imagination Week has been created, I would say, 8 years ago. That was 8 years ago, and we have had in our mind how could we do something different than in other business school, and we have to do it something that's unique, of course, but not just unique. That's something that it could be very helpful for the students for their studies, not their management studies. So basically, we have had a few objectives, and I would like to share with you these few objectives. The first one is, for the very first time, and that was the first time 8 years ago, that we will meet all students together, all MIM students for the first time, all together in, I would say, in one room that was in the dome, but all together. And that's important because of the flexibility of the ESSEC, that's the a la carte courses, that the students are never together. So the first, for the first time, they have something together. So that was one of our objectives. That was not the main one, but that was one of our objectives. The second one, that was, and actually we did it with students, we did it with staff, we did it with professors. We believe that we need to help the students to be more creative. And what does it mean being creative? It means that we have to nourish the mindset, nourish the brain in order to find something different, to create something new. Maybe we can discuss this notion of creativity later on, but that was the second objective, to help the students to be more creative. The third one, that was, how is it possible to help the students not just to be creative for certain period of time, but also to be creative with a method, that a method that they can reuse. They can reuse it in a class, they can reuse it during their internship, apprenticeship, and so on and so forth. And maybe the fourth objective, that was also, how could we think on a very long-term view? Most of the time when we work on a case study, for instance, when we work for certain things, it's for just 1 week, 2 weeks, 6 months, 1 month, maybe 1 or 2 years, but not for a very far long view. And that's what we have decided to have so many topics when we discuss, when we think about the future in 2050, for instance, 2040s, and so on and so forth. So basically, the objective, the pedagogical objectives of Imagination Week is put the students together to create something different, thanks to creativity, thanks to the notion of building something different. Alors, vous parlez beaucoup de créativité, mais est-ce que c'est un concept qui est pertinent pour une business school? Et comment éviter, dans une école de management, que ça ne soit pas un concept un peu pipeau? Est-ce qu'il y a moyen de rendre ça concret? Et en quoi est-ce que, concrètement, c'est important pour les managers de demain? L'objectif de la créativité, on peut... Vous savez probablement, mais certaines personnes se disent non créatives ou certaines personnes se disent créatives. En fait, ça n'est pas comme ça que notre cerveau fonctionne. Et d'ailleurs, plusieurs intervenants à l'Imagination Week l'ont montré et démontré plusieurs fois de manière très scientifique. C'est de l'apprentissage. La créativité s'apprend, la créativité se développe si on l'utilise, si on la crée, si on l'entraîne. Est-ce qu'on a à l'ESSEC l'ambition de former des personnes créatives? La réponse est probablement non. L'objectif, ce n'est pas l'objectif premier de l'ESSEC. Néanmoins, le fait que nous soyons tous confrontés à de la créativité, ça c'est un fait. Et le fait que nous puissions dire aujourd'hui aux étudiants, voilà ce qu'est la créativité, comment ça fonctionne, quelles sont les méthodes, pour si un jour ils sont
directeur financier, directeur des ressources humaines ou n'importe quelle autre fonction, puisse accueillir la créativité, ce qui est un point très important. Comment j'accueille ce qui est créatif, ce qui est nouveau, ce qui est bouleversant, ce qui est changeant. On n'est pas forcément habitué, on n'apprécie pas forcément d'ailleurs les changements ou la créativité, eh bien c'est comment on réussit à l'accueillir. D'un autre côté, eh bien oui, en effet, certaines personnes seront plus créatives que d'autres. Et ces personnes-là cherchent des méthodes, ces personnes-là se posent la question comment faire. Et l'objectif de l'Imagination Week, notamment, il y a d'autres cours dans lesquels ça peut se passer, eh bien, on parle effectivement de comment être un peu plus créatif ou comment développer sa créativité si on souhaite s'inscrire dans cette dimension. Donc la créativité n'est pas pipeau, et c'est important de le dire avec ces mots-là, puisque c'est souvent un mot qui est utilisé, elle n'est pas pipeau puisqu'elle est toujours autour de nous. La créativité est la mère de l'innovation. Et à ce titre-là, nous avons besoin d'aller chercher des idées. Alors vous avez parlé des conférences et ça tombe bien parce que ça va être l'occasion peut-être de nous présenter comment est formée cette semaine de l'Imagination Week, comment elle se décompose, comment elle est réfléchie aussi par rapport au corps qui a décidé de la présenter. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la semaine typique de l'Imagination Week? L'objectif, c'est d'avoir de l'inspiration et de la mise en œuvre. L'inspiration, elle vient justement par ces conférences. C'est-à-dire que nous demandons à des personnes qui sont plus ou moins dans le thème de la semaine, c'est-à-dire que nous établissons un thème, peut-être qu'on pourra y revenir, mais nous établissons un thème et nous cherchons à avoir des invités qui peuvent s'inscrire dans le thème. Ce n'est pas forcément une obligation, puisque la créativité est quelque chose qui est en dehors des cadres, en dehors des codes habituels. Nous pouvons avoir quelqu'un qui puisse nous parler, par exemple, d'art ou de gastronomie, alors que le thème va être tout autre. Ce que nous cherchons, c'est d'avoir à la fois une partie conférence et une partie conférence pour s'inspirer, et cela, c'est généralement une fois le matin, une fois l'après-midi, et entre deux, nous avons des ateliers. Donc c'est rythmé de cette manière-là, à la fois conférence, comment je m'inspire, et d'autre part, comment je mets en œuvre. Ces deux différentes dimensions se passent pendant toute la semaine, à partir du lundi jusqu'au vendredi, ce qui veut dire que c'est assez long. C'est assez long et nous avons la chance de faire toucher la créativité du doigt pendant plusieurs heures, pendant presque plusieurs dizaines d'heures. Ce qui est important parce que la créativité n'est pas que théorique dans l'Imagination Week, on cherche à la faire appliquer de manière concrète. So you mentioned workshops made by where the students work on certain topics. Can you elaborate a bit on those workshops? How is the topic selected? And also how to make sure that it's productive? Because you said it yourself, it's quite brief to be creative in only 1 week, and so sometimes in only some hours. How do you make it something that is productive, and how do you avoid, for instance, we will certainly discuss that in extent later, but some students mentioned that they actually got their topic on the web. And so how do you have the students working on actual questions by themselves so that it's productive for them? It's very important to keep in our mind that Imagination Week is essentially with two main pillars, freedom and autonomy. The purpose is to give this freedom, to give this autonomy to the students if they want to develop their project. To be very transparent with you, we don't care about the project itself. We care about the method. The point is, how could we help the students to understand the method, to understand creativity, to practice creativity during a week? We really don't care about the end of the project itself. What is really important is what you've done, what you've learned during this week in order to reuse it later on. So if you said to me that, okay, I just pick up this idea on the website, for instance, yeah, that's your responsibility. It's not my responsibility. The responsibility is to work on the creativity, to work on the methods in order to help you, in order to help you to be more creative or to understand what creativity is. But the freedom part is very important. That's your responsibility. So if you don't want to work on it, that's your responsibility, not mine. You are an adult. I consider yourself as an adult. So if you don't do that, what should I do? Nothing. It's very important because most of the time, and you know that, many students mentioned that we love the conference. We really enjoy the conference. The conferences are brilliant because we have lots of international experts
very well-known experts in different fields, so we really enjoy that. But we don't like so much the workshop. So we have to think about the workshop, we have to think about the methods and to renew it and so on and so forth. That's true, and I can understand this point. But we have to understand the way of learning. On one hand, you are in the conference, so you are just, I would say, in the room, and you look at the conference, you look at the speakers, and you just listen. So it's a passive way. And this passive way, it's very easy to follow. You have just to have a seat. Maybe you are with your smartphone, but maybe you learn and you will be with an active learning, which is very good. But it's more or less passive. Mm. On the other hand, you have to go to the workshop. That's your part. That's the job that you do. So you have to make an effort. You have to make an effort to prepare something, to prepare your project, to understand what you understood from the speakers, to understand what's going on with the tutors, and so on and so forth. We won't force the students to be creative. It's not our goal. It's to help the student to have actually the way to help them to understand. But we won't force anyone to be that. Donc justement, vous parlez beaucoup de la méthode. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que c'est une méthode que vous avez créée vous-même ou que vous avez adaptée d'une méthode scientifique qui a été utilisée ailleurs? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer d'où vient cette fameuse méthode que vous utilisez dans l'Imagination Week? La méthode est vraiment très, très simple. C'est la méthode de génération d'idées et la méthode de divergence et convergence que l'on retrouve dans un grand nombre de documents. Donc on pourrait... on pourrait dire et on pourrait citer, parce que c'est un peu plus à la mode aujourd'hui que ça a des connotations avec le design thinking, évidemment. Néanmoins, le design thinking existait avant qu'il soit appelé tel quel, il faut en être clair. Et le fait d'aller brainstormer, rechercher des idées, des inspirations, avoir une divergence d'idées à travers un groupe de projets, avec un groupe pardon, d'étudiants de 3 à 5 étudiants, par exemple, et puis aller chercher vers une convergence, est quelque chose d'assez commun. Donc la méthode en tant que telle est unique, dans le sens où elle a des inspirations en live par les speakers. Elle a également ce sens unique qui est qu'il y a des tuteurs pour encadrer en permanence, que les groupes de projets sont faits de manière internationale, c'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui viennent d'un autre background que les siens, ça peut être international, étranger, mais également background au sens d'ingénieur, etc., etc. Ce qui veut dire que l'originalité est plus sur l'ensemble de la semaine que la méthode à proprement parler, qui est vraiment très classique. On utilise des méthodes que tout créatif ou toute organisation créative utilise à proprement parler. Alors, vous avez parlé de liberté comme un peu axe fondateur de cette semaine. Certains étudiants ont formulé quelques critiques par rapport à ça, au sens où si on va sur ce terrain de la liberté, ils auraient peut-être préféré, eux, bénéficier de cette semaine, qui est la première de l'année en janvier pour le programme en école à l'ESSEC. Ils auraient préféré bénéficier de cette semaine pour rechercher des stages, pour faire d'autres activités éventuellement, plutôt que, là je les cite, perdre leur temps dans cette semaine. Qu'est-ce que vous répondez à ces étudiants qui... ont peut-être pas compris l'intérêt même de passer cette semaine à l'Imagination Week. La liberté n'est pas l'absence de contraintes. La liberté n'est pas l'absence de contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, quand vous prenez un cours quel qu'il soit, vous êtes quand même dans une salle, vous devez vous asseoir, on fait l'appel généralement pour tout un tas de raisons, et il y a des contraintes dans lesquelles après, on peut s'exprimer. La liberté académique, j'allais même dire la liberté universitaire, et justement la capacité d'avoir une libre parole, ce qu'on a vu d'ailleurs pendant l'Imagination Week, d'avoir une capacité à s'exprimer comme on le souhaite, de manière très large. Le point sur lequel vous mettez l'accent qui est très juste, effectivement, on a eu un étudiant, mais je ne pense pas que ce soit un étudiant à stigmatiser, ce n'est pas du tout le propos, peut-être que d'autres l'avaient également en tête, de dire « j'aurais préféré chercher des stages et faire une lettre de motivation ». Voilà, faire un CV, lettre de motivation, c'est les mots qui ont été employés. On peut le comprendre. Ma première réaction a été spontanément de dire mais il y a un carrière services à l'ESSEC. On a des services compétents, disponibles, dédiés à ça pendant tout le long de la scolarité. Parce qu'un CV, quand vous entrez à l'ESSEC, ou un CV après 2-3 ans, après X ou Y stage, bah forcément, ce n'est pas le même CV également. Donc, on a un carrière services qui suit de manière extrêmement claire. Est-ce qu'il faut faire une semaine dédiée à des CV, des lettres de motivation? On pourrait se poser la question, je n'ai pas encore eu de ce genre de retour des étudiants, mais encore une fois, je pense que l'ESSEC met l'accent avec le Career Services extrêmement professionnel sur le sujet pour pouvoir répondre à ça.
Donc cette notion, et votre question est très intéressante parce que vous liez justement la liberté avec qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais faire vraiment moi? Est-ce que je voudrais chercher un stage pendant cette semaine-là, à faire une lettre de motivation? Et je vous réponds à travers la notion de contrainte. C'est-à-dire que oui, à un moment donné, nous avons besoin de mettre les étudiants face à quelque chose qui peut leur déplaire. Est-ce que l'on doit donner du prémâché? Est-ce que l'on doit faire quelque chose qui plaît toujours aux étudiants? C'est une question très compliquée. Est-ce que quand on met quelqu'un en face de vous, bah, dont vous n'avez pas forcément d'affinité, est-ce que c'est bien ou pas bien? Eh bien, c'est le début de la créativité et c'est le début de sortir du cadre. Je pratique cette Imagination Week avec des formats exécutifs, par exemple. Et quand je prends un exemple que j'aime utiliser, mais quand je pose la question au début, est-ce que vous aimez sortir du cadre? 100% de personnes qui lèvent la main. Évidemment, moi, je veux sortir du cadre. Je suis quelqu'un qui sort du cadre. Quand on commence à les faire sortir du cadre, et ce qui est arrivé plusieurs fois, et aussi à l'Imagination Week à Cergy, eh bien, du coup, on a des plaintes, on a des réclamations. Ah non, mais c'est pas tout à fait ce cadre-là dont je parlais. Je voudrais bien sortir du cadre, mais tout en restant quand même dans un certain cadre. Donc, tout ça est vraiment lié dans votre question à la notion de liberté. La notion de liberté, la notion de contrainte, et la notion, évidemment, d'autonomie que moi, je veux donner. Il y a dans l'Imagination Week de la liberté, il y a de l'autonomie, mais il y a de la responsabilité dans l'effort que je veux accomplir. Est-ce que oui ou non je veux jouer le jeu? Est-ce que oui ou non je veux participer à cette démarche ou pas? On peut comprendre qu'on puisse être en retrait, ça arrive dans tous les cours d'être en retrait, ça arrive dans tous les cours en permanence, on peut le comprendre, mais il faut avoir à l'esprit que oui, ça requiert un effort l'Imagination Week et ce n'est pas simplement écouter les conférences. Alors, vous parliez de, est-ce qu'on est là pour plaire aux étudiants? Eh bien, posons-nous la question. Hein. Spécifiquement, est-ce que ça plaît aux étudiants? Donc, là, tous les cours à l'ESSEC ont des évaluations, que ce soit sur le contenu ou sur le format. Est-ce que c'est le cas pour l'Imagination Week? Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les évaluations de cette année et des autres années? Alors, il y a une évaluation depuis le début. En hein, 2012, il y a une évaluation. Et il y a une évaluation exactement comme les mêmes principes que les cours, avec une notation que l'on met ensuite, que l'on transmet ensuite sur 20. Et il y a des évaluations également qualitatives et quantitatives qui est importante. La méthode dont on parle, qui est le cœur un peu du sujet, n'a de cesse d'avoir été revue en fonction des étudiants, en fonction des tuteurs depuis toutes ces années. Nous avons toujours essayé de la chercher et chercher l'idéal. Je vais répondre de manière très claire sur les évaluations avec des chiffres, mais je veux quand même mettre ça en perspective avec le fait que nous avons, pour la grande école, à Cergy, 700 personnes dans une salle. Satisfaire 700 personnes dans une salle est extrêmement compliqué, et je vais même, en le plaisantant, mais en le disant quand même, surtout un 2 janvier, le matin, à 9h. C'est une réalité, et les étudiants ne sont pas seuls dans cette situation. Il faut être honnête avec cette dimension-là. Donc oui, en effet, 700 personnes, et contenter 700 personnes sur une méthode, c'est impossible. Nous essayons d'avoir une méthode que nous espérons convenir au plus grand nombre. Néanmoins, si nous cherchons le consensuel, eh bien là, on n'a plus rien. On va être complètement lisse, et on n'est plus du tout dans la créativité, on n'est plus du tout dans la recherche de quelque chose d'unique. Donc en effet, ça peut effectivement coincé un peu aux entournures et on l'a bien vu. Nous l'évaluons, pour revenir précisément à votre question, nous l'évaluons de manière extrêmement claire et chaque année. Je ne vous cache pas que bah forcément, nous avons été particulièrement déçus cette année, c'était la plus mauvaise note qu'on ait jamais eue. Pour vous donner un ordre d'idée, les notes entre 2012 et 2017 ont été entre 11 et 15. Sur 20. Entre 11 et 15. 11 en 2012 sur 20. 11 par exemple en 2012, on est sur 15 en 2014, on est sur 14 en 2016, on est à 10,5 pour 2018. La méthode est la même, les conférences sont du même niveau. Nous avons, vous le savez, pour la grande école, à la fois Singapour et Cergy et Singapour. Pour vous donner un ordre d'idée, 10,5 à Cergy, nous avons eu 15 sur 20 à Singapour. Il y a 55% des personnes qui ont été satisfaites ou très satisfaites à Cergy, 55%, ce qui est faible, hein, c'est un problème, j'en conviens bien. À Singapour, 90% des personnes ont été satisfaites ou très satisfaites.
Et donc, est-ce que vous avez pu évaluer ce qui a été différent cette année, puisque vous dites qu'il y a une baisse très très significative spécifiquement cette année? Est-ce que vous avez pu analyser les raisons et est-ce que vous envisagez des adaptations pour la suite? Alors, la première chose, c'est l'importance entre Singapour et Cergy qui est importante. La question du nombre est très importante. Quand on fait un séminaire de cette façon-là pour 150 personnes ou pour 700, ce n'est pas la même chose. On n'a pas la même expérience. On ne peut pas non plus mettre en place les mêmes éléments. Donc, il y a cette raison. Je crois, ou j'ai entendu en tout cas, que l'Imagination Week, on n'arrive pas forcément avec un état d'esprit positif ou un état d'esprit où, tiens, je suis curieux et je n'ai pas d'avis, mais parfois j'arrive avec un avis, avec un a priori plutôt négatif. Ce qui est dommageable, parce que lorsqu'on est dans une entreprise, c'est exactement la même chose, et on aura, et vous aurez, et tous les étudiants ont, et nous avons encore tous, des séminaires dans lesquels on ne sait pas ce qui va se passer dans notre entreprise, et on doit y aller un lundi matin avec des personnes qu'on ne sait pas ce qu'elles vont nous apporter réellement. Donc l'état d'esprit est à minima d'être neutre, mais pas négatif, et puis les différents incidents ont peut-être joué sur cette note. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en cause. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en cause. La situation qui a eu lieu cette année a généré un très grand nombre de retours, directs ou indirects. J'ai en tête, alors pas des dizaines, mais une petite dizaine de personnes qui ont contribué, qui veulent contribuer, qui nous ont envoyé des messages, parfois longs, parfois très longs, parfois, je vais dire franchement, très très longs, dans lesquels il y a des étudiants qui ont pris à cœur de dire « l'Imagination Week, voilà comment moi je la vois ». Et les choses à savoir sur l'Imagination Week et celle-ci vous étonnera ou pas, j'ai reçu d'autres versions. Quoi qu'il en soit, nous avons à les prendre en compte. Nous avons à les prendre en compte parce que tout simplement, il faut se rendre compte que nous faisons ça pour les étudiants. Même si certaines choses peuvent déplaire, est-ce qu'il faut plaire ou pas aux étudiants, c'est une grande question et il ne s'agit pas de faire du clientélisme auprès des étudiants. Néanmoins, est-ce que les étudiants ont raison d'avoir certains arguments développés, argumentés pour améliorer, comment faire autrement que de passer à côté? Donc évidemment, ça va être pris en compte et nous avons pour ça mis en place plusieurs ateliers de travail dans lesquels, s'il y a encore des étudiants qui veulent se joindre à nous, c'est avec plaisir. C'est important également que, et je remercie évidemment ceux qui ont déjà contribué, quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, forcément vous voyez un grand nombre de contraintes qui sont pas forcément évidentes, qu'elles soient budgétaires, qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient... Il y a tout un tas de sujets qui sont d'une grande complexité pour que tout le monde soit quand même accueilli le jour même, en temps, en heure, dans une salle chauffée, avec des documents, avec un programme, avec des personnes qui viennent, des personnes pour encadrer, et tout ça juste après des vacances de Noël. C'est une organisation qui est considérable. Mais donc, est-ce que vous avez un exemple concret d'axe sur lequel vous pensez que l'année prochaine, vous allez modifier le dispositif? Oui, la question de la méthode est évidemment importante. Donc, on revoit une nouvelle fois cette question de la méthode et comment mieux intégrer la méthode sur un élément assez particulier qui a été plusieurs fois souligné, c'est comment l'inspiration qui nous est donnée a du sens dans ce que l'on fait après dans la méthode. C'est une remarque très importante qui était, il y a une forme de coupure selon les étudiants entre l'intervenant exceptionnel que l'on va entendre et puis je retourne à mon projet dans lequel je vois pas le lien, dans lequel je dois retourner et puis finalement je dois me dépêcher de faire mon projet, etc. Nous sommes en train de travailler à cette dimension-là. Comment faire plus de liens entre je suis inspiré par un tel et ça a du sens pour moi? Parce qu'en fait, c'est ça l'essence de l'Imagination Week. L'Imagination Week a été créée pour la transdisciplinarité et c'est savoir relier entre elles les différentes disciplines. Eh bien, il s'avère qu'on a peut-être échoué sur ce sujet-là. On a peut-être échoué sur l'opérationnalité de l'inspiration que l'on peut avoir. Alors, on va passer à d'autres questions après, mais une dernière question sur cet aspect du feedback et des critiques récentes qui ont été envoyées, entre autres, par Internet. Comment est-ce que vous, personnellement, vous avez vécu ces retours des étudiants? C'est une question très, très, pas très compliquée, mais qui est très, très sensible pour moi, parce que j'ai évidemment souffert. Lorsque vous recevez les messages qui ont été donnés, que ce soit le mail ou d'autres formes qui ont été données,
C'est extrêmement dur à vivre. C'est extrêmement dur à vivre parce que ça fait 8 ans que nous pensons que c'est bon pour les étudiants, que nous avons amené sur scène des personnes exceptionnelles, que nous essayons avec les tuteurs de faire en sorte qu'il y ait des méthodes qui sont à destination des étudiants, pas pour nous, mais pour les étudiants. Et avoir reçu des messages parfois anonymes, parfois, j'allais dire méchants, mais oui, c'est le cas, ce n'est pas un lapsus, agressifs à l'encontre d'une personne, c'est quelque chose que, au début, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris en disant, mais pourquoi un acharnement alors qu'on souhaite simplement accroître la connaissance, la transdisciplinarité, et surtout, ce qui est très important pour nous, c'est cette singularité par rapport à d'autres écoles de commerce. Nous l'avons présenté à la conférence des grandes écoles à plusieurs reprises. Nous avons été cités comme un exemple. Nous avons une singularité par rapport à d'autres écoles. Les cours peuvent être des éléments de singularité, mais les cours peuvent être aussi identiques avec nos écoles concurrentes et avoir des programmes qui apportent des personnes de ce calibre-là, qui vont travailler sur des aspects beaucoup plus soft que les aspects hard, sont des choses qui sont fondamentales. Donc, j'ai forcément souffert, j'ai eu beaucoup de mal à digérer cet aspect à titre personnel. Il y a des messages, beaucoup de messages de soutien qui m'ont aidé, et évidemment, les messages de soutien les plus forts sont souvent ceux des étudiants. Alors, si on change un peu de sujet, vous avez mentionné en fait que cette Imagination Week était présente pour les différents campus, pour les différents programmes. Qu'est-ce qui change globalement entre ces différentes semaines en fonction du lieu ou du programme? Qu'est-ce que vous changez? Est-ce que vous adaptez votre méthode? Ou est-ce que on peut dire que globalement chacun a un peu son Imagination Week à lui? Oui, en fait, comme on l'a également pour les BBA, on l'a en exécutif, on l'a à Singapour et on l'a pour la grande école, on a toujours une adaptation, mais qui est une adaptation de forme, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, la partie la plus importante, c'est celle que chacun des participants va livrer. Donc, en fonction de l'implication du participant, eh bien, on va avoir une semaine qui va être un peu différente. En executive education, par exemple, où la moyenne d'âge va être à 40-45 ans, ce n'est pas la même chose. Donc typiquement, on n'est pas sur un projet à titre de long terme ou très long terme sur, je ne sais pas, l'école du futur ou la vie du futur ou la politique du futur, etc. Mais on est plutôt sur la transformation des individus. Comment moi, qui eût été manager pendant 25 ans et maintenant patron d'une entreprise, je vais continuer à me nourrir, continuer à me transformer grâce à cette transdisciplinarité. Donc c'est pareil, on les confronte à peu près aux mêmes individus, sur des formats plus petits, mais l'objectif c'est de continuer à faire inspirer des individus dont souvent le cerveau, l'esprit est déjà très très formé. Nous espérons plutôt qu'avec les étudiants plus jeunes, des BBA par exemple, eh bien nous avons une dimension qui est encore très malléable. Néanmoins, entre les BBA et la grande école, les 2 semaines sont très différentes. C'est toujours le même thème, il n'y a pas de thème pour les BBA. C'est toujours le même esprit. C'est autour de leur transformation parce que c'est entre leur 2e et 3e année. Donc, ils ont fait déjà un premier stage, ils ont fait déjà un premier échange ou une première expérience à l'ESSEC. Donc, c'est une notion de transformation pour eux et c'est toujours la même chaque année. Les étudiants de la grande école, ce n'est pas la même chose. Les étudiants de la grande école, c'est un projet, c'est un thème. L'objectif, c'est comment réussir à penser le futur, comment réussir à penser à long terme, de penser avec mes camarades qui sont internationaux, avec des backgrounds qui sont différents et en s'inspirant des autres. Donc, en effet, on peut dire que c'est un peu plus challenging pour la grande école parce que les paramètres sont un peu plus nombreux. Alors, peut-être parlons pour terminer un peu du futur. Est-ce que vous pouvez nous dire les adaptations de manière générale que vous envisagez pour le format Imagination Week? Alors, quand sera la prochaine édition et peut-être aussi quand est-ce que vous inviterez Elon Musk comme conférencier? Alors, Elon Musk n'a pas encore répondu. Nous essayons beaucoup et y a pas, c'est important de le mentionner, il n'y a pas de miracle pour créer l'Imagination Week. C'est un travail, c'est un vrai sacerdoce. C'est-à-dire que pour avoir les intervenants que l'on a, on se bagarre chaque année les uns avec les autres. Nous essayons de ne pas rémunérer les intervenants. Donc, ça veut dire quand on dit ne pas essayer, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'étranger, évidemment, nous prenons ses frais en charge, mais et si Elon Musk venait demain, nous prendrions en charge son billet d'avion, par exemple. Il viendrait dans son propre avion, sans doute. Ouais, je pense qu'il viendrait son propre avion, en effet. Donc, la prochaine édition, c'est une édition qui est très intéressante parce que
son executive education, mais c'est par une entreprise en particulier. Et une entreprise qui nous a sollicité, qui nous a dit, nous on a vu ce que vous faites pour cette question d'imagination et de créativité, nous aimerions l'appliquer à notre COMEX. Donc sa COMEX élargie, donc c'est même très élargi, puisqu'il y a 3 fois 50 personnes, que nous faisons donc en 3 fois, donc 150 personnes d'une entreprise. Et le patron de l'entreprise lui-même a dit, je veux faire l'imagination pour mes exécutifs. Il faut qu'ils se sortent l'esprit de leur quotidien, il faut qu'on réussisse à les nourrir. Donc c'est très important pour nous les SEC, on espère que ça va fonctionner, mais on est très fiers que ce projet-là puisse également prendre pied directement dans les entreprises. Ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose que les entreprises veulent s'accaparer. Et ça, nous aurons ça dès le mois de mai. Il y aura une semaine BBA au mois en fin août, qui aura lieu fin août et qui sera comme les autres semaines des BBA. Par contre, sur la semaine de janvier, donc qui aura lieu à partir du 7 janvier 2019, le sujet n'est pas encore posé sur la table. Généralement, le sujet est discuté de manière très libre avec la direction des études, avec, en l'occurrence pour la grande école, avec professeur Félix Papier, qui est le dean de l'Académie Programme. Donc, on est discuté tous ensemble. Et aussi avec les étudiants. C'est-à-dire que là, si des étudiants ont un sujet qu'ils pensent être pertinent, la possibilité de le mettre sur la table est évidemment tout à fait ouverte. Merci beaucoup pour toutes ces informations, pour cette présentation et pour ce dispositif à Singapour. Le prochain invité de cette session d'ESSEC Community Lab sera Eric Delcourt, secrétaire général de l'ESSEC, qui nous parlera du projet Campus 2020. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux.